La justice est engorgée par les affaires. Tapi, Guéant, Balkany. La liste s'allonge aussi sûrement que le nez de Pinocchio. Tous adoptent peu ou prou la même stratégie de défense. Je vous le mens. Je vous le mens. Les yeux dans les genoux. Mais ne blâmons pas les politiques pour leurs mensonges. Les boulangers font bien du pain. Ceux-là même qui prétendent incarner la fonction, faire don de leur personne pour servir la nation, ces obscènes tartuffes à l'assaut des palais, grimacent sous les lustres et piétinent le parquet. Ça se passe à Paris, à l'heure où l'on dîne, les invités honorent le chef en cuisine. Quoi qu'il en coûte, ils encourent à la soupe, y goûtent et y regoutent, tout en vidant. Haïssables, leur posture, leur masque et leurs traits, leur sourire minable dont on tire le portrait, et leurs belles paroles, la faiblesse du propos qui, à force de discours, en laidit les mots. Passe à Paris, à l'heure où l'on dîne, les invités honorent le chef en cuisine. Dès lors, quoi qu'il en coûte, ils encourent à la soupe, y goûtent et y regoutent, tout en vidant des coupes. Ils se disent gouvernants, mais c'est le vent qu'ils suivent pour durer dans le temps. Ne songeant qu'à survivre aux remugles, aux bassesses qui fondent l'entre-gens, au bal des fauderches dansent les impudents. Ça se passe à Paris, à l'heure où l'on dîne, les invités honorent le chef en cuisine. Dès lors, quoi qu'il en coûte, ils accourent à la soupe. Y goûte et y regoute, tout en vidant des coupes. Dès lors, quoi qu'il en coûte, ils encourent à la soupe. Y goûte et y regoute, tout en vidant des coupes.